Petit vin. Petit vin. Nous pouvons voir ici la somptueuse salle qui va accueillir cet événement cet après-midi. Et nous pouvons voir, c'est une grande salle de plus de 1000 places. Et le décor est en train d'être planté. Et nous pouvons voir ici le groupe des partenaires. Régional. Est-ce que vous savez pour certains promotions, les leaders sont là, bonjour. Il y en a qui mettent leur argent, bien sûr. La voiture, elle est à 10 euros. C'est ça. Ce gars sort l'argent. Et tu sors l'argent. La salle est super jolie. Et nous pouvons voir que cette soirée sera vraiment animée par tous les top leaders de Chai et vraiment beaucoup de surprises cet après-midi avec la remise de plusieurs gadgets. Nous pouvons voir ici une série de plusieurs congélateurs et réfrigérateurs, je vous dis, qui seront partagés à tous les lauréats, tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir bénéficier de tout ceci. Il n'y aura pas que des réfrigérateurs, mais je peux vous assurer que la cérémonie sera vraiment en couleur. Et nous pouvons voir ici à l'estrade un partenaire Chai qui est en train de mettre tout en place, accompagné du régional du littoral. Et nous pouvons voir sur ce magnifique tableau des awards qui seront vraiment remis tout à l'heure. Et à côté, nous pouvons voir des téléphones marque Eterno. Et c'est des téléphones de qualité qui répondent aux normes vraiment de la télécommunication aujourd'hui, sans compter les moulinettes qui accompagnent tous ces gadgets. Et tout à côté, nous pouvons voir quelques produits Chai qui seront présentés. Et nous pouvons voir ici des bandeaux qui seront décorés et qui pourront aussi vraiment colorer la cérémonie, sans compter plusieurs clés de voiture qui seront réunies à tous ces différents lauréats. Ici, nous pouvons voir sur cette table encore une bouteille de champagne et des clés de voiture ne font que se superposer. Donc, vous pouvez voir que c'est magnifique. Donc, nous vous reviendrons plus tard et je pense que les choses sont en train de se mettre en place et nous n'attendons que vous. Précipitez-vous et vraiment rapprochez-vous le plus tôt possible et afin que la soirée soit très belle et que les choses commencent à l'heure, d'autant plus que nous savons qu'en Afrique, le temps est un peu élastique. Donc, merci beaucoup et merci. Nous vous reviendrons plus tard. C'est un révolutionnaire qui fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent se coucher à la maison, acheter et vendre des produits et se faire des bénéfices. Est-ce que quelqu'un a compris? On n'a pas compris? Vous ne pouvez tout comprendre en un jour. Chez moi, pour donc pouvoir rassembler autant de monde autour de sa plateforme, a intégré un concept que tout le monde connaît également, qui s'appelle le MLM, ou bien Multi-Level Marketing, dans la langue de Shakespeare, ou encore le marketing relationnel, le bouche à oreille. Rarement ou très difficilement, vous verrez Shaimol faire la publicité à la télé. Très rarement. Parce qu'on a pensé que les frais de publicité peuvent être utiles pour vous si vous passez l'information aux voisins. Aujourd'hui, on est en train de remettre des récompenses et plusieurs lots à des récipiendaires. C'est en relation avec le MLM ou le marketing de réseau. Et vous allez découvrir aujourd'hui un système de marketing de réseau hors du commun, comme vous n'avez jamais vu ailleurs. Jamais vu. Donc attachez bien vos ceintures et surtout définissez-vous des objectifs
si vous voulez vous lancer dans le MLM avec Shymol. Sinon, l'argent va vous rendre fou. Ça va plutôt? Sinon, l'argent va vous manquer de respect. Vous allez marcher, vous aurez envie de gifler quelqu'un pour lui donner de l'argent. Parce que ça, la poche là, ça ne suffit plus pour contenir cet argent. Nous avons ainsi déroulé ce que fait Shymol. E-commerce, New Retail, qui n'est rien d'autre que le buy and sell, achat-vente et le MLM. Qu'est-ce que Shymol n'est pas? Il est important de le savoir. Shymol n'est pas une plateforme d'investissement. Si vous cherchez ou investir, gardez votre argent chez vous. Allez chercher, il y a d'autres plateformes d'investissement. Shymol n'est pas un site de placement d'argent. Ne venez pas à Shymol parce que vous voulez placer de l'argent. Shymol n'est pas une pyramide de Ponzi. Ce n'est pas le financement participatif où on paye ceux qui sont en haut avec l'argent de ceux qui viennent en bas. Non. Shymol n'est pas ça. Ici, chacun est récompensé en fonction de ses efforts. Ceux qui sont récompensés aujourd'hui le sont parce qu'ils ont travaillé. Parce qu'ils ont compris le système de MLM et se sont mis au travail. Il y en a qui sont là depuis le début, mais qui n'ont pas eu ce que ces derniers ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis le début, mais qui n'ont pas eu ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est pour que vous compreniez que le système de Shymol est loyal. Si vous travaillez, vous gagnez. Vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Le paresseux n'a pas droit au... Voilà ainsi déroulé ce que Shymol est et ce que Shymol n'est pas. J'espère qu'on sortira d'ici avec cela gravé dans la tête. Il y a une tribu au Cameroun que j'aime bien. Je ne suis pas tribaliste. Ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Et on les reconnaît par leur esprit d'entre eux. Ce sont les grands commères. Lorsque les Bamileke ont compris la paix, tout le monde a compris. Communication sans la parole. Et pour que vous compreniez ce que c'est que Shymol en vérité, le vrai. La vraie signification de Shymol, ce n'est pas Saint-Turu-Hein-Hiro, comme il a dit là. Chez les Bamileke, qui connaît comment on appelle Dieu? Si d'un côté, de l'autre côté, si, ah c'est ça qui me plaît. Si, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous croyez ou vous ne croyez pas, c'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas voir. Une entreprise qui s'appelle Chi Dieu. Vous dites que non, je ne peux pas voir Dieu. C'est un problème. Ce que vous avez là. Un problème. Donc Chi, c'est un don de Dieu. Chi est venu révolutionner le e-commerce. Est venu briser la barrière du digital. Parce qu'il y avait une véritable barrière. On était en arrière en Afrique. Mais aujourd'hui, regardez comment vous êtes nombreux qui avaient pris le train digital. Vous êtes très nombreux. Parce que cette barrière est désormais brisée avec Chi, avec Dieu. N'est-ce pas? Sur ce, je vous prie tout simplement de bien vouloir acclamer beaucoup pour les Bamileke. Merci. Et pour finir, Shymol n'est pas une entreprise fictive qui vient se balader, vous embrouiller, faire la publicité et disparaître. Shymol est légalement implanté dans ce pays. C'est-à-dire son statut est à jour avec la juridiction camerounaise. On n'a pas besoin de vous présenter tous les documents ici, il y a les bureaux. Rendez-vous dans nos bureaux
et demander la documentation de Simon et aller, voilà, et aller tout simplement pour vérifier le numéro du registre de commerce, vérifier l'authenticité du registre de commerce pour ceux qui veulent confirmer. Donc Simon, en tant qu'entreprise vraiment solide, a mis sur pied des intermédiaires entre vous et nous. Non, c'est pas entre vous et nous. Entre vous et la compagnie, parce que moi je ne suis pas la compagnie. Je suis aussi là comme vous. Entre nous et la compagnie. On les appelle les service centers ou les centres de service. Shimol a aussi mis sur pied un service client qui vous répond par WhatsApp 24 heures sur 24. Vous avez un souci, vous écrivez. Vous voulez être content, vous voulez remercier, vous écrivez pour dire merci. Parce que beaucoup écrivent seulement pour poser des problèmes. Écrivez aussi pour dire merci. Donc, lorsque vous êtes en face d'une compagnie comme celle-ci, qui est proche de vous, qui a des bureaux tout près de vous, avec des hommes chaleureux, accueillants et charismatiques, avec des chiffres partout, comme ceux que vous avez devant vous, vous ne pouvez qu'avoir confiance et vous engager en toute sérénité. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Vrindina. DJ Weston pour l'accompagner avec une musique. Monsieur, présentez-vous. Eh, chef, c'est comment que vous êtes là, hein? Il me dit, présentez-vous. Le temps de feu comme ça, vous prenez ma carte d'entrée. J'ai seulement entendu, bam, j'étais dans le cas. J'ai rien compris. J'étais assis dans le cas, j'ai dit, mais les gens, si ma main où? Il dit, chef, s'il vous plaît, c'est pas une confusion. Vous m'avez vu là, est-ce que je sens un microbe? Ils me disent, monsieur, vous saurez ça au commissariat. Eh, j'ai commencé à sentir que c'est sérieux. J'ai commencé à réfléchir, qui m'a porté plainte? Bon, il y a moi, je n'ai pas payé sa tête, mais est-ce qu'il peut me porter plainte sans me prévenir? Hein? Je ne peux pas, je ne crois pas que ce puisse être vrai. Je veux que réfléchir, qu'est-ce qui m'amène à au commissariat? Je prends l'argent à qui? J'ai fait du mal à quelqu'un. Pendant qu'elle réfléchissait, j'ai dit, bon, la Bible dit que après le danger, il faut invoquer le nom du Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, je suis en difficulté. Le Saint-Esprit m'a donc aidé. J'ai eu une idée, j'ai dit, bon, chef, s'il vous plaît, je voulais me soulager. J'ai un problème d'indigestion depuis le matin. Personne ne me répond, hein. Le cas ne veut qu'avancer. Chef, s'il vous plaît, j'ai envie de me soulager, pardon. Ils ne font qu'avancer. Mais un temps que j'ai réfléchi, j'ai dit, voilà, j'ai envie de respirer par derrière. J'ai respiré légèrement le silencieux. Vous connaissez que ça, c'est le silencieux, parfois, il ne faut pas braquer avec, hein. Si tu ne sens pas l'odeur, là, c'est que tu es d'amour. Dès que j'ai lâché doucement, je vois chacun aller au nez. C'est là que l'inspecteur de police demande au major, c'est vous qui avez fait ça. Le major dit, je crois que c'est vous que je n'ai pas demandé. J'ai dit, chef, c'est moi. Et dit quoi? Il dit, c'est moi. Je vous ai dit que j'ai envie de me soulager, ça ne va pas, j'ai la diarrhée. Pardon. Il me dit, et vous osez faire ça dans le cas, nous sommes là. Bon, j'ai fait un chien, ça veut dire sortir. C'est là où on arrive vers la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Bourandjon. D'accord. Là-bas, on a dit bon. Il me dit, monsieur, descendez là, allez vous âger. Il dit, inspecteur, non, principal, accompagne-le. On entre donc vers le cimetière. On entre. Je veux que marche, le policier derrière moi. Je marche, le policier derrière moi. Je crois qu'il va s'arrêter pour que je détale. Le gars derrière moi. À un niveau là, du cimetière, j'ai vu là une tombe où j'étais écrit. Ici repose Papa Ndoumbé. J'ai dit, voilà. Papa Ndoumbé, oh. Comme tu m'avais demandé deux personnes, j'ai déjà trouvé une. Il reste une autre, je pense que c'est tout à l'heure. Papa Ndoumbé, tu m'entends? Tu m'avais demandé deux personnes, non? Pas d'abord celle-ci. Je pense que c'est la deuxième. Le temps de me retourner,
C'est la poussière qui s'est soulevée. Le gars était dans le marathon. Moi aussi, j'ai dit que hey, je suis dans un cimetière. Et il y a Joam ici, et les fantômes, et les braqueurs. Il faut que moi aussi je m'échappe. Je prends aussi marathon pour fuir. Le policier se résout et dit, hey, le fantôme est derrière moi. Il fuit, moi aussi je fuis. Il arrive, il monte dans le cadre, il peut, demain ou pas. Il dit, mais où est le type là? Il dit, demain ou pas, il va te suivre demain. Je vois, il demain, battre, moi aussi je sors. Moi, je vais assis devant vous. Vous voyez? Si je ne fais pas ça, c'est que je suis comme ça. Hein? Ah, voilà. 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 Bon. Vous voyez, c'est pas moi, je n'ai pas demandé. Ça vient seul. C'est Dieu qui me donne. Que Dieu vous ramousse au sanctuaire. Vous entendez? Oui. Que si quelqu'un vous regarde mal, il compte son hôtel, il tombe, il se casse les dents. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors, chère population, quand je suis sorti, donc, j'ai dit, voilà, je suis déjà Diamond. C'est Diamond, hein? C'est ça, non? Ça, Diamond. Quand j'arrive encore ici à la salle, je croise une jeune fille, elle me dit, bon arrivée, monsieur. Je dis, oui, madame. Elle me dit, non, je ne suis pas dame. Eh, tu n'es pas dame? Elle me dit, oui, je suis une demoiselle. Ah, tu es demoiselle, hein? On n'entre pas où? Elle me dit, non, s'il vous plaît. Avant d'entrer, je voudrais que vous me disiez un petit mot. Parce que quand vous voyez là, vous avez quelqu'un à la cathédrale d'homme que je cherche. Je dis, c'est pas la magie. Ma fille, tu vas un vieux père comme moi avec la barbe blanche comme ça. Tu me parles les choses comme ça. Elle dit, mon père, aujourd'hui là, on ne cherche plus. Ce qu'on voit, on prend. Quelqu'un avait senti que ce que tu laisses l'autre prend. Tu laisses l'autre prend. Elle m'a dit, j'étais avec quelqu'un qui m'a déçu. Alors si j'ai dit que toute personne que je rencontre, elle sourit seulement qu'elle sourit avec moi. Je me laisse embarquer par cette personne-là. J'ai dit, malheureusement, Jésus a pris ma fille. Tu vois mon doigt. Elle m'a dit, je peux être deuxième femme. J'ai dit, non. Deuxième femme, pour ne mourir avec moi. Je suis un chômeur, je me bats au marché central. Tellement les microbes sont passés par le marché central, elles ont tout ramassé. Je suis en train seulement de me lancer. Je ne peux pas m'engager dans ce genre de choses. Donc, cette fille est dans la salle. Si elle est là, pardon, viens toi-même, tu te présentes. Parce que je ne veux pas les problèmes. Sinon, je vais te dénoncer. Toi-même, viens me dire. Parce que vous avez, aujourd'hui là, le monde est très dangereux. Vous avez entendu à Kumba qu'on a décapité des enfants. Donc les gens là vivent au milieu de nous. Hein. Je peux sortir si vous attendez comme moi aussi décapité. Donc vraiment, elle est là. Elle n'est pas là. Hein? Et, bon, si elle n'est pas là, moi je ne peux pas continuer à attendre. Hein. C'est population. Population. Oh. C'est moi. Non, je ne veux plus décrocher. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Voilà, c'est lui. Je t'indique l'endroit, tu n'as pas décroché. Moi, je suis là. Je suis là. Merci, 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 monsieur le maire. Est-ce qu'on peut l'accompagner avec des ovations, s'il vous plaît? Let's give him a hand of applause, please. Let's usher him out with a hand of applause. Thank you for this wonderful moment. Thank you for your intervention. We are going to continue with our program. It's true that we are running after time. We are going to continue with our program. And this time around, we are going to invite a great leader who is going to come here and present to us, in general, the company, the business that we are doing. He's our guest speaker of the day. Est-ce que nous pouvons recevoir ici, mesdames et messieurs, notre grand leader, leader Patrick, qui va venir nous faire... No, my brother. You see, my dad was a truck pusher. The dad before him was a truck pusher. So even me, I think that that's all I can do. Let me be honest in what I do. That's what my dad told me. So he bought this wheelbarrow for me. I said I should be walking around with it. That's all I can do. My dear, that is the beginning of witchcraft. When you start thinking about those kind of things. So when I started, it was not easy at all.
At times I even wonder, this business I'm really starting like this, is really going to work? Because my parents are saying that, and be careful. My aunts, my uncle, everybody that I see. You know, in your family, there's always one person that you always admire. When you look at him, you see what he has achieved in his life. You say, this man, let me meet him so that he can give me his experience, what he thinks about this thing. I'm sure that he really knows something about this, so let me see him. And when you see him, when I saw a member of my family and talk about the business, he said, young man, don't be lazy, because that's laziness. The youth of today, you like easy. I mean, everything that is easy, that's what impresses you. You need to work hard. It's true, it's good to work hard. But you know, in this business, it is not an easy task, because we don't sleep. We don't sleep to be sure that everybody is satisfied in this business we do. After some months, the first car I bought, même la dernière fois quand j'ai appelé les machines de la plaque là, ça a tiré à la plaque. Je suis sûr que ça devait être la partie. C'est la range avant. Changeur de leader Roland, Cameroun. Roland, c'est exceptionnel. Celle-ci, vraiment, elle est très confortable et froid. Tout le monde est un peu plus froid. Vous voyez, il est couvert partout. C'est un brado. Belle coupe, très jolie sur la tête. Ouais. Voyons les leaders, ça c'est une Orlaye, ouais. Qui a été gagnée par un leader. Nous voyons, on a des coups, je suis. Et c'est ça Chai. Chai Mol, partage de l'argent compétitif. Vous pouvez voir là, vous pouvez remarquer un V8. Garé. Ah oui, vraiment, ça vient prouver la supériorité et l'efficacité de Chai Mall. Oui, voilà, aujourd'hui va danser au rythme de Chai. Vous voyez, plusieurs V8 sont parqués. C'est des voitures qui coûtent une soixantaine de millions. Vous voyez, c'est là. Vous voyez, elles sont en train de décorer ces différents véhicules. Un troisième V8, ben, ça sera une soirée VIP exceptionnelle. Donc nous pouvons voir les dames qui sont là. Et à côté, vous pouvez voir la somptueuse salle de diamants de l'hôtel La Falaise à Bonanjo. Oui, c'est ça. Et devant nous, nous avons un partenaire. Monsieur Stéphane, bonjour Monsieur Stéphane. Bonjour grand leader. Oui, quelles sont vos impressions après que vous ayez vu le parking de cette prestigieuse salle de fête diamant de l'hôtel La Falaise, bourré de voitures qui ne coûtent pas quand même des dizaines de mille. Alors, quand nous voyons aux yeux de tous, on voit la vraie magie dont les gens parlent souvent. Il faut que les gens viennent voir. Comme on dit, Chai Mall, partage l'argent comme le biscuit. Ce n'est pas les affaires qu'on dit de Wawa Oua. Quand vous voyez les voitures de 70 millions, 50 millions, 100 millions, c'est Chai Mall. Chai Mall est venu. Donc ce que je vois, Chai Mall est venu enlever ceux qui sont pauvres et les rendre riches. Quelqu'un qui n'a pas compté 100 millions hier, aujourd'hui il compte 1 milliard. Voilà. C'est pas la magie. C'est la magie.
Mais ce n'est pas le machine, ni que le travail, c'est chai. C'est chai, moi. Voilà. C'est e-commerce. E-commerce. Ce n'est pas le placement dont les gens parlent, bois, c'est le e-commerce. Voilà. Allez vérifier encore la véracité de ce qu'il veut dire e-commerce. Voilà. Très bien. Merci. Merci, leader Stéphane. Voilà. Nous pouvons voir partout. Vous voilà. Voilà nos parkings qui est fourni. Nous pouvons compter au moins 12 voitures qui seront réunies par des différents lauréats. Voilà, tout à fait. Mais à moins de un an là, voilà, voilà déjà une voiture de 70 millions qui l'a placée. Voilà, même chose. Voilà. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Je pense que c'est la magie de Merci. Là, les gens ne comprennent pas. Les gens sont encore derrière. Hein.